chanson grecque ce soir. Il est tard, il est 2 heures du matin. Oh, je devrais dormir parce que je pars en vacances demain matin à 8h30. Mais bon, je voulais vous faire quand même un dernier petit mini show avant de partir pour que vous ayez le temps d'attendre parce que je reviens fin août maintenant. Le prochain mini show, ça sera peut-être que fin août. Alors, chanson grecque par Théodosia Stika. Pourquoi une chanson grecque? Ben parce que les Grecs ils sont dans la crotte. Ah oui. Alors moi, comment j'analyse cette situation là de tous ces pays qui sont tous endettés, hein, nous aussi. Et donc moi, ce qui me semble avoir compris, c'est que il y a des banquiers quelque part dans le cloud, qui ont le pouvoir extraordinaire, exorbitant, de créer de l'argent. Bon, ils ont le monopole, ils ont le droit, eux, pas nous, hein, mais eux, ils ont le droit de créer de l'argent et de le donner à qui ils veulent. Et donc, quand on a ce pouvoir-là, on se dit, on sait que l'argent n'a aucune valeur en lui-même, qu'il a de la valeur seulement parce qu'il représente des biens réels, des choses réelles, des terrains, des usines, des ressources, de la vraie production, de la vraie richesse. Et donc quand on est banquier et qu'on a le pouvoir exorbitant de créer de l'argent, ben, on a envie d'en donner, on a envie d'en prêter et de demander un intérêt contre cet argent parce que c'est la coutume, c'est comme ça. Quand on prête de l'argent, on reçoit des intérêts en plus. Continue. Chanson grecque. Et donc, on prête de l'argent à qui on veut. Et qui en veut de l'argent? Qui a le pouvoir dans un pays? Les élus. Les gens à qui des populations ont donné par le vote un mandat pour faire ce qu'ils veulent, puisqu'il n'y a aucun contrat entre l'électeur et l'élu. Hein. L'électeur, il dit « Ah, oh, moi, je voudrais bien de la santé gratuite, je voudrais bien des choses comme ça. » L'élu, il dit « Oui, pas de problème. » Comme ça, il est élu. Hein. Bon, une fois qu'il est élu, il n'a aucun moyen de faire ce qu'il a promis. Par contre, le banquier, lui, peut lui dire « Moi, je vous prête de l'argent et puis vous le donnez au... Vous le donnez à vos électeurs et puis vous leur donnez tout ce qu'ils ont demandé, ou presque. Ah ben oui, mais il faudra le rendre, l'argent, qui dit le politicien au banquier, il faudra le rendre, l'argent, avec les intérêts et tout, comment je vais faire, moi? Et le banquier lui dit, vous en faites pas, c'est pour vous qui allez le rendre, c'est eux. Eux et puis leurs enfants, parce que, attends, avec tout l'argent qu'on va leur prêter, ils vont être endettés pour 20, 30, 40 ans. Alors, mais bon, mais vous en aurez déjà plein les poches, vous serez à la retraite, vous ne serez pas inquiétés. Ah bon, bah c'est merveilleux. Donc voilà comment ça marche. Donc les politiques, ils empruntent au nom du pays de l'argent qui n'existe pas, hop, et il va falloir que ce soit les gens qui en ont profité, finalement, qui le remboursent. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, bon bah, les gens, ils travaillent, ils rendent ce qu'ils peuvent, mais bon, ils peuvent pas rendre beaucoup plus que ce qu'ils ont eu, hein, déjà. Donc du coup, pour payer les intérêts de la dette, il faut qu'ils empruntent encore, donc... Donc ça endette encore, et puis pour payer les intérêts, on emprunte, et puis ça fait des intérêts en plus, donc il faut emprunter pour payer en plus les intérêts, donc la dette augmente de manière exponentielle. Et à un moment, le banquier, il arrive, et il dit, bon, ben, là, vous n'allez pas pouvoir me payer ce coup-ci, c'est dommage, hein. Ah, comment vous allez faire? Vous n'avez pas quelques usines, là, des services sociaux, tiens, que vous avez acheté avec mon argent, là, bon, ben, je vous les reprends, tant pis, hein. Et crac, 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 Onk Picsou, avec ses huissiers, vient récupérer les îles grecques bientôt. Ils veulent avoir les îles grecques à la place de l'argent qu'ils ont créé. C'est une escroquerie, mais alors merveilleuse, fantastique.
Ouais. C'est comme, t'imagines, t'as un mec qui est alcoolique, quoi, qui a besoin d'argent pour acheter de quoi picoler, et tu lui prêtes, mais comme le mec, il bosse, il te rend les intérêts, il a acheté une maison avec l'argent que tu lui as prêté, bah oui, et puis bon, il a plus de boulot, il arrive plus à payer, il y a tellement d'intérêts, il y a le double à rendre, donc il peut plus payer, donc bah, tu prends la maison, tu prends son terrain, tu prends son travail, il va travailler toute sa vie, mais bon, tu vas récupérer les fruits de son travail, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc c'est ça le truc de la dette. Donc bon, ce qui va pas du tout, c'est que c'est le privilège exorbitant d'avoir le droit de créer de la monnaie et de demander un intérêt sur l'argent qu'on... C'est même pas un prêt, c'est un échange de travail contre du vent, quoi. Contre un moyen d'échange qui n'a absolument pas à être grevé d'un loyer régulier. Voilà, c'est ça le problème, quoi. Le problème, c'est qu'on paye un loyer au mec qui imprime les billets. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Bon, ben, on va peut-être commencer à comprendre tout ça. Ça serait bien. Parce que il faut qu'on comprenne ça d'ici l'hiver prochain, d'ici les élections. Parce que d'ici l'hiver prochain, il va falloir qu'on explique tout ça et qu'on soit très nombreux à bien comprendre tout ça de manière à pouvoir porter ça sur la place publique et qu'il y ait un vrai débat et que ça soit vraiment débattu. Officiellement, enfin je veux dire dans les médias, dans les grands médias. Bon, là sur internet c'est bien, on a pas mal d'audience, mais ça suffit pas, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, il faut qu'on passe aux journaux, aux radios et aux télévisions, voilà. Donc voilà, donc regardez, il y a plein de liens partout, vous tapez monnaie, création monétaire sur Google, vous tapez allocation universelle sur Wikipédia, il y a plein de choses. Et donc voilà, vous allez essayer comme moi, c'est pas facile, hein, vous allez essayer comme moi de comprendre tout ça, d'en parler autour de vous, et puis après, d'en parler à vos élus, d'en parler à vos journaux, à vos radios, à vos télévisions, de faire un blog, de faire une petite vidéo. Vous allez essayer de diffuser tout ça de manière à ce que ça soit porté sur la place publique, parce que cette question-là de monétaire a des conséquences immenses sur la production, sur les injustices, sur l'enrichissement des très riches et l'appauvrissement des pauvres et de la classe moyenne. Ça a beaucoup, beaucoup de conséquences économiques et humaines. Donc voilà, c'est le débat central qu'on doit porter sur la place publique pour l'année prochaine, puisqu'on a une tribune là pendant les 10 mois qui viennent. Hein? Donc à bientôt, je vous souhaite des très bonnes vacances, reposez-vous bien, profitez bien du beau temps, voyagez, faites des belles choses, faites ce que vous aimez, et puis on se retrouve fin août, par là. Hein, je vous enverrai des petits mails. Suivez-moi sur Twitter. Je ferai pas mal de petits trucs sur Twitter pendant toute la durée de l'été. Allez, à tout bientôt. Je vais aller dormir un petit peu. Bonne nuit. Ciao, ciao.